Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté sur le web. Aujourd'hui, eh bien, nous parlerons du patron de Google qui montre son soutien à Hillary Clinton. On vous parlera aussi de Dell qui vient de racheter la société EMC. On vous présentera les enceintes de Vinyl Factory en exclusivité. On verra quels sont les nouveaux boutons que nous propose Facebook. Et on terminera avec ce spot sur la sécurité routière réalisé par Luc Besson. S'il existe de nombreuses façons de soutenir un candidat lors d'élections présidentielles, Eric Schmidt, à la tête de Google, a certainement trouvé la technique la plus intelligente pour soutenir son ami Hillary Clinton en créant une start-up à deux pas des bureaux de la candidate. Eh bien, à Brooklyn, il s'implique indirectement dans sa campagne. Baptisée Groundwork, cette start-up réunit des développeurs de chez Google, bien évidemment, qui travaillent sur la création d'outils Internet pour pousser Clinton à pousser, elle, à son tour, les portes de la Maison Blanche, une start-up qui a déjà dépensé 177 000 $, une somme qui ne sera évidemment pas officiellement inscrite dans les coûts de la campagne de Madame Clinton. Et on poursuit avec le géant américain Dell qui vient d'annoncer la plus grosse acquisition de l'histoire dans le secteur des technologies. C'est officiel, Dell a racheté EMC, une entreprise qui propose des logiciels d'archivage, de données et de stockage. Le montant de l'acquisition s'élève à 67 000 $. Et puis on en a souvent parlé sur le web, le marché chinois a été une belle, très très belle surprise pour Apple. Il y a quelques mois, la société ouvrait un nouveau point de vente à Westlake et nous avions pu vivre ce moment grâce à la magie de l'Internet. Pour ceux qui l'auraient manqué, pas de panique, le voici. Et si le démarrage d'Apple en Chine a été un succès, eh bien c'est un flop pour Apple News qui a été bloqué dans le pays afin d'apaiser les autorités chinoises. L'application est disponible aux États-Unis. Le géant voulait la tester en Chine. Elle fera certainement son retour dans le pays lorsqu'elle n'affichera que des sites d'actualité favorables au gouvernement chinois, bien évidemment. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec les enceintes Vinyl Factory, présentées en exclu sur le web, des enceintes made in France qui utilisent la technologie d'une start-up asiatique. Regardez. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, Gad Guigui, bonjour, vous êtes l'un des créateurs de ces enceintes. Bonjour Gad. Bonjour Virginie, comment alors, allez-vous? Bah très bien, très bien. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre entreprise? Bien sûr, Angelize est une société qui a été créée en 2007, qui a pour objet la distribution et la fabrication de lunettes optiques. Nous sommes des passionnés de musique et de lunettes et avec ces deux identités, on a décidé de créer une marque qui s'appelle Vinyl Factory, dont l'identité principale axée sur l'identité musicale. Alors pourquoi s'être lancé dans l'enceinte ?
Ben, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est raccord encore avec l'univers de la musique. Et l'autre caractéristique importante, c'est que Vinyl Factory est une marque à destination, qui est destinée pardon, à être une marque à part entière. Et de ce fait, nous avons décidé de nous diversifier vers plusieurs horizons, dont l'élaboration d'enceintes spécifiques qui fonctionnent par amplification d'impulsions magnétiques. Alors, expliquez-nous, c'est la nouveauté de ces enceintes, c'est de cette façon que vous voulez vous démarquer aussi de la concurrence. Exactement. Alors, ces enceintes, elles fonctionnent d'une manière très spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de connexion Bluetooth ni Wi-Fi, donc on a des connexions assez énergivores. Et de ce fait, on a, par l'intermédiaire d'une start-up asiatique, développé une enceinte qui permet d'amplifier en fait le son du haut-parleur du téléphone par impulsion magnétique. Donc en collant son téléphone sur l'enceinte. Exactement. Exactement. À partir du moment où votre haut-parleur est actif et qu'il y a un son quelconque qui sort, dès que vous le posez sur le téléphone, ben, le son est amplifié par l'enceinte et ça vous permet effectivement d'écouter et d'amplifier tous les sons émis par votre téléphone. Donc pas besoin de batterie ni d'électricité, si je comprends bien ? Toujours un petit peu, puisqu'il faut alimenter et le téléphone et l'enceinte. Mais disons que ce qui consommait beaucoup d'énergie dans les connexions Wi-Fi et Bluetooth, c'est justement cette connexion sans fil. Et de ce fait, là, on l'a court-circuité en mettant en place justement cette nouvelle technologie. C'est donc les utilisateurs d'iPhone qui vont être contents. Alors, on va revenir sur votre spécialité, la lunette. On va parler aussi de votre communication qui aujourd'hui se fait essentiellement sur Internet. Pourquoi ? Voilà, pour plusieurs raisons. Ça nous permet d'avoir une communication hyperactive et de ce fait, en fait, on a la possibilité de pouvoir communiquer directement auprès de l'ensemble de revendeurs et de consommateurs avec un ciblage assez fin. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça nous permet de relayer les informations qui sont très importantes au niveau de la marque et de pouvoir les poster chaque jour et d'avoir une sorte de ligne éditoriale qui permet d'avoir à chaque fois, de manière quotidienne, des nouveautés en ce qui concerne les différents partenariats qu'on met en place. Très bien, donc alors on l'aura compris, Internet, le high-tech pour promouvoir finalement des lunettes. Alors très rapidement, pour terminer, est-ce qu'on attend d'autres projets techno pour 2016 ? Oh, il y en a plein, mais pour le moment, ce sont des projets qui sont en cours, donc ça reste voilà, secret. Vous comprendrez que je ne peux pas tellement en parler. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces informations sur le web, on vous souhaite bon courage. Et nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Un mois après l'annonce de Facebook et de son éventuel bouton « J'aime pas », Mark Zuckerberg a dévoilé 6 nouvelles réactions. Et oui, comme vous pouvez le voir sur ces images, seront disponibles la joie, l'amusement, la surprise, la tristesse et la colère de nouveaux boutons qui viendront compléter le célèbre like. Et fans de photographie, le projet de la start-up Light est pour vous. Light L16 est un appareil photo compact de la taille d'un smartphone muni de 16 capteurs d'image, un appareil photo connecté avec écran tactile qui vous propose une image finale de 52 mégapixels. Lancement prévu pour 2016, son prix avoisinera quand même les 1 700 $. So good.
Et on poursuit avec la technologie et l'équipe de chercheurs de Disney qui travaille actuellement sur une application très ludique, une application capable de transformer les coloriages d'enfants en animation 3D. Le pari est bien mixé papier et numérique. Pour l'instant, l'application sur tablette n'est qu'une ébauche. Je vous propose une petite présentation. Et l'imprimante 3D ne cessera donc pas de nous impressionner, on le sait, nous, sur le web. Aujourd'hui, eh bien, c'est Adidas qui l'utilise pour nous proposer un prototype très intéressant, vous allez le voir, baptisé la Futurecraft. Il s'agit en fait d'un modèle de basket original, entièrement imprimé en 3D, adapté à votre morphologie. Son concept est plutôt simple. Vous venez dans un magasin, vous courez quelques minutes sur un tapis de course, puis vous repartez avec une basket vous correspondant entièrement. Oui, entièrement, regardez. Et on ouvre cette rubrique œil du net avec un flop, une idée proposée par la nouvelle directrice de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui n'a pas eu l'effet escompté sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, avec ce clip censé promouvoir l'égalité professionnelle homme-femme sur France 3, eh bien la chaîne a provoqué la polémique. On parle de vidéos très sexistes sur la toile, eh bien à vous de juger sur le web. Et face à ce bad buzz, voici un buzz réussi pour le réalisateur français Luc Besson avec un spot sur la sécurité routière pour la Fédération internationale de l'automobile. Un film court qui tente d'expliquer les risques et les dangers sur la route pour les enfants qui vont à l'école. Luc Besson fait un parallèle entre l'Europe et l'Afrique. Les conditions pour se rendre à l'école ne sont pas les mêmes. Un spot réaliste, marquant et percutant. Regardez. Thank you.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web. Le Mag Actu, à très bientôt.